Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter des nouveautés qui sont arrivées en boutique. Alors c'est pas du scrap, mais je sais que vous aimez bien tout ce qui est loisirs créatifs. Aussi, je vous ai pris des choses qui m'ont tapé dans l'œil. Par exemple, des livres pour faire des amigurumis. Donc c'est au crochet avec des toutes petites pelotes de coton au crochet. Donc, on a différents modèles. Par exemple, celui-ci, je le trouve trop rigolo. Ce sont papy et mamie. Alors, il y a toute la famille à faire au crochet. Les enfants, les petits bébés, la tati, le tonton. Enfin, voilà, tous ces petits personnages. Regardez comme c'est chou. Alors, celui-ci, après, j'ai pris sur les doudous pour les bébés. Donc là, ce sont les différentes couleurs de laine, par exemple. Il y a toutes les explications. Vous pouvez faire aussi des fleurs pour faire des décos, un peu comme les attrape-rêves. J'ai des anneaux comme ça en boutique aussi, en forme de nuages, de cercles, de cœurs. Donc regardez comme c'est joli, ces bordures de petites fleurs que vous pouvez crocheter aussi pour mettre sur des vêtements. Également, les petits doudous. Donc voilà, les petits lapins. De Pâques, il y a des œufs de Pâques aussi à faire au crochet. Enfin, tout est expliqué dans ce petit livre à 3,99 €. Et celui-ci, donc, il est un petit peu plus sauvage. Donc là, vous avez des petits chiens également, des chiens, des chats, des souris, des petits lapins, le lion. Voilà toute la famille des animaux que vous pouvez réaliser avec ces livres. Alors, au niveau des couleurs, j'ai pris évidemment du noir et du blanc. Ce vert d'eau, alors je ne sais plus comment il est appelé sur la boutique, mais vous retrouverez facilement les couleurs. Vous avez celui-ci, praline. Vous avez du vieux rose, une couleur renard. Voilà, pour le lion par exemple, ça va bien. Le jaune, un jaune. J'ai pris le gris argenté également. Qu'est-ce qu'on a encore? Une couleur. Alors, je crois que c'est beige, mais c'est un petit peu couleur nude, un peu couleur peau. Voilà, je crois. Et du marron chocolat. Voilà. Donc pour les couleurs, les pelotes qui vont avec ça. Et puis après pour les bubbles, eh bien j'ai fait du réassort. Alors que ce soit pour les livres, donc il y a des nouveautés. Par exemple celui-ci pour l'heure du bain. Là c'est pour tricoter les éponges, soit pour la vaisselle, soit pour le bain. Donc c'est marrant, il y a des gants comme ça pour prendre le bain ou se doucher. Donc on a des dauphins, on a alors la couronne et puis le sceptre. Regardez si c'est joli là, pour les princesses. À réaliser tout ça avec les laines de Bull, donc pour le bain. On a aussi une coquille, un coquillage, genre coquille Saint-Jacques. Donc on peut mettre la main dedans. La sirène, bien sûr. Alors voilà celui-ci. Après, plus pour la cuisine, donc pour votre vaisselle, on a le livre Veggie. Voilà, vegan. Donc là, on a des choux. On a des choux. On a ben, des radis, des betteraves. Regardez comme c'est rigolo. Des aubergines. Des butternuts. Des courgettes. Des courges, pardon, butternuts. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, c'est toute la catégorie des choux. Voyez, c'est rigolo dans sa cuisine d'avoir des éponges comme ça, les avocats. Regardez si c'est joli. Franchement, c'est tout chou. Les épis de maïs. Voilà, c'est adorable. Donc ça, à faire au crochet. Pour celles qui aiment le tricot, elles peuvent essayer de le réaliser au tricot également. Les betteraves, alors là, c'est trop mignon, on dirait des radis. Et après, donc, j'ai pris deux livres pour Noël. Alors, c'est vrai qu'on est encore loin, mais pas spécialement pour Noël, hein, puisqu'on a des étoiles, des petits cadeaux. Ça peut être pour faire vos cadeaux pour des anniversaires, hein, ou autres. Vous voyez, le sapin, là, il fait tout en boule de bubble. On a sapin, branche de houx. Le renne comme ça aussi. Enfin, voilà. Bon, il y a plein plein de modèles. Oh, le flocon de neige. Ah, ça c'est joli. Hein. Flocon de neige.
Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a 9 éléments à réaliser, et celui-ci aussi, donc un peu plus classique, le bonhomme de neige, le bonhomme en pain d'épices, les fleurs de poinsettia, le sapin, les chaussettes, regardez si c'est mignon. La rose de Noël, le bonhomme de neige, enfin voilà. Il y a tout un tas de jolies choses à faire avec. Et au niveau des couleurs, donc vous avez une laine multicolore comme ceci. Après, j'ai pris en plus deux nouveaux verts. Ce sont des nouvelles couleurs. Alors ça va bien aussi pour les choux, pour les sapins, tout ça sont magnifiques. Alors moi je les utilise pour le scrap aussi ou pour la carterie, pour faire les petites décos de Noël, pour accrocher au sapin. Alors vous avez l'or qui est toujours très 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 beau, celui-là j'adore, tout ce qui est or, rose. Celui-ci, je sais plus, je crois que c'est Parme, c'est un joli rose. On a celui-ci aussi. Ces teintes-là, et on a encore dans les couleurs un peu nature et orangées, par exemple pour faire les butternuts, ça, très bien. Donc, voilà pour ces petites nouveautés que vous pouvez retrouver en boutique. Eh bien, on se retrouve vendredi, vous avez la suite du tutoriel pour finir le petit album Hello Boy en 15-15. Voilà pour cette semaine, eh bien, je vous dis à très bientôt.